Sur le site de Play Hearthstone, c'est-à-dire le site officiel de Blizzard de Hearthstone, dans lequel nous allons éplucher classe par classe toutes les cartes du bois maudit. Et pour ça, j'ai fait appel à quelqu'un qui prétend s'y connaître. Hein. Nous verrons incessamment sous peu si c'est le cas. Mauric. Bonjour Mauric. Bonsoir Mauric, parce qu'il est quand même 1h30 du matin. Bonsoir. Alors moi, il y a peut-être des gens qui me connaissent parce que je suis donc Radio Modo sur la scène de Forza 974, s'il y en a qui m'ont déjà entendu ma voix. Et sur Hearthstone, vous m'avez peut-être déjà vu parce que j'avais fait, normalement très peu l'ont vu, une vidéo avec Den, le coach de Gamer Origins. Voilà. Ah, sans le savoir, j'ai chopé un gros bonnet dans le milieu. Mais au niveau de ton palmarès Hearthstone, qu'est-ce que tu peux nous dire Alors au niveau de mon palmarès Hearthstone, j'ai fait des tournois par-ci par-là et j'en ai gagné quelques-uns. Mais après, moi, comme je te dis, moi, je suis la connaissance de la connaissance. Hein, donc, tu vois, j'ai fait jouer avec Okonog, j'ai joué avec Tablovi, j'ai joué avec Force Player. C'est tous des joueurs pros, mais personne ne me connaît. Tu vois, je suis dans l'ombre. Espérons qu'avec cette vidéo, les 10 personnes qui vont me regarder vont apprendre à te connaître et du coup vont parler et tout. Et moi, du coup, je vais fermer ma gueule parce que moi, je joue pas du tout à Hearthstone. Alors, donc du coup, l'extension du bois maudit arrive. Nous avons là à peu près la moitié, un peu plus de la moitié des cartes révélées. Ouais, c'est ça. Il y a la moitié des cartes révélées. Elle sort le 12 avril. Voilà, 12 avril. Donc, beaucoup de streamers en feront la grande soirée d'ouverture. Dans le Gamer Mode, que moi perso je suis beaucoup. Chaque fois qu'il y a une sortie d'extension, moi c'est eux que je suivais. Moi quand il y a une sortie d'extension, j'aime bien Den et Volvi. Après, je suis d'accord que Torque et Marmotte c'est la base. Toute l'arma team globalement c'est la base. Yonid aussi, j'aime bien. Yonid, il est pas en collaboration avec Torque ou quoi? C'est pas les mêmes teams. Ouais, c'est pas les mêmes teams. Je crois que c'est. Oui, c'est Gamer Mode. C'est Oliash qui est avec Torque et Marmotte. Voilà. Oliash, Odemian, tout ce qu'on présente plus, évidemment qu'on les a vus 36 000 fois. Et donc du coup, avec cette extension, deux nouvelles mécaniques, parce qu'à chaque fois, chaque extension, pour ceux qui dormaient au fond de la classe, il y a eu des nouvelles mécaniques d'apporter, comme par exemple avec la Ligue des Explorateurs, on a eu la mécanique découverte, avec Lich King, on a eu le vol de vie, et donc là, nous avons deux nouvelles mécaniques qui sont la ruée et l'écho. Il me semble qu'il n'y a que ces deux-là, donc si tu peux me confirmer. Alors, c'est les deux tags de mots-clés, oui, c'est voilà, pas pareil. C'est les deux nouveaux mots-clés, mais en termes de mécanique, il y a aussi pair-impair. Voilà, oui, les pair-impair, oui, c'est vrai que moi, je parlais de mots-clés, voilà, excusez-moi, je me reprends, oh là là. Donc, les nouveaux mots-clés, alors Ruée, est-ce que tu peux nous expliquer vite fait comment c'est? Alors Ruée, pour ceux qui ont joué Shadowverse, bah c'est exactement la même chose, c'est Rush, donc Ruée aussi. Et en gros, c'est charge, pas dans la tête, c'est charge que sur les créatures. Voilà, par exemple, il y a une créature qui arrive en jeu, elle peut directement attaquer tout le monde, sauf le héros adverse. Et du coup, donc Echo, elle peut attaquer que les créatures en face. Voilà. Et du coup, Echo. Et Echo, c'est comme l'évolution instable, c'est exactement le même principe. D'ailleurs, je pense qu'ils vont renommer la carte Echo, à mon avis. Ouais, comme ils avaient fait avec Barbefeu 13 Flammes qui est passé vol de vie quand il était sous le ouais, c'est ça. Je pense qu'à mon avis, ils vont faire la même chose, mais à confirmer, parce que peut-être ça changerait la manière de coder ou quoi la carte. Des fois, il y a des petites erreurs qui font que ça leur empêche de le faire, mais normalement, ça devrait être mis en écho. Et donc, le principe, c'est que la carte, elle est jouable jusqu'à ce que tu n'aies plus de mana, en fait. Si tu la joues une fois, elle revient dans ta main et tu la rejoues. Elle est infinie. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mana ou jusqu'à ce qu'on termine le tour. Voilà. Alors, si je devais te demander comme ça, allez... De but en blanc, un petit pronostic pour toi, tu pencherais plus vers quel mot-clé qui réussirait le mieux dans cette extension? Plutôt la ruée, plutôt l'écho? Alors, j'ai envie de dire que les deux ont déjà fait leur preuve, parce que la ruée, vu, comme je l'ai dit, c'est la mécanique de Shadowverse qui existe depuis 2 ans, et donc si ça marche là-bas, il n'y a pas de raison que ça marche pas sur Hearthstone, puisque il a déjà fait ses preuves, donc c'est une bonne mécanique, quoi qu'on en dise, de base. Et l'écho, comme je l'ai dit, il y a déjà une carte qui est, j'ai envie de dire, métatière, donc l'évolution instable, qui est jouée. Donc c'est la preuve que ça va aussi marcher. Après, ça dépend comment Blizzard équilibre les cartes. Voilà, à peu près du kick. Parce que, après, de ce que j'en ai vu en regardant vite fait les cartes, j'ai pu voir principalement deux classes qui vont être... que Blizzard cherche à orienter le plus vers ses nouveaux mots-clés, à savoir le guerrier qui a beaucoup de cartes ruées, oui. Et le voleur qui lui a beaucoup de cartes écho, même si là son nom un peu, mais c'est vraiment ces deux classes que j'ai vu le plus gratifié de ces deux mots-clés. J'ai pas l'impression, j'ai l'impression que là-dessus ils essayent vraiment d'être à peu près, oui c'est vrai, si il y a un peu plus peut-être d'écho effectivement, mais il y a peut-être les cartes, je pense que c'est trop tôt pour dire qu'il y a une classe avec l'écho.
Voilà, bah, évidemment, moi je me base sur ce que j'ai vu maintenant. Après, c'est sûr que tout peut changer. On a vu des extensions décoller rien qu'avec les nouvelles cartes, et, enfin les dernières cartes révélées et tout. Et comme l'a dit Mauric, une nouvelle mécanique aussi avec la mécanique des paires ou impaires. Alors, moi perso, quand j'ai vu ça, je me suis dit ça serait vachement compliqué à mettre en place la mécanique Alors. des paires et impaires. Parce que dans pratiquement toutes les classes, t'as des bonnes cartes qui sont à la fois d'un coup pair et à la fois d'un coup impair. Donc, ça serait un énorme sacrifice. Bah, on avait la même chose pour Renault. Au début, quand Renault avait été annoncé, tout le monde avait dit ouais, mais jouer toutes les cartes en un seul exemplaire, ça t'enlève l'échange de top deck, ça fait que tes meilleures cartes, tu les mets qu'en une seule fois. C'est vrai qu'après, tu peux pas en avoir deux, donc si tu as besoin de cette carte deux fois, c'est plus possible. Et au final, on s'est rendu compte qu'avoir 30 PV, bah, ça sauvait la game et ça compensait largement le prix. Donc, je pense que c'est juste une question de deck building à apprendre. Je pense que les deux m'ont l'air viables. Après, il faut juste, et ça, je pense que Blizzard a malheureusement, enfin malheureusement, je peux me tromper, mais il n'y a pas assez de cartes qui vont avec la mécanique. Dans les cartes, ils nous ont dit si votre deck qui est impair fait ça, et si cette carte est paire fait ça, il n'y a pas assez de cartes de ce genre-là. Un peu comme Toon. Il n'y a pas assez de cartes qui vont en synergie avec cette mécanique, je pense, pour que ce soit, on va dire, tier 2 partout. Maintenant, je pense qu'il arrivera à trouver un deck qui risque d'utiliser une de ces mécaniques. Je vois pas pourquoi. C'est vrai que le problème que j'ai remarqué souvent avec les mécaniques qu'instaurait Blizzard, c'est qu'ils instaurent une mécanique à une extension, mais pas cette carte pour rendre l'extension viable. La mécanique viable. Parce que des fois, comme pour Toon, tu l'as dit, bon, ils instaurent la mécanique du buffage de Toon où qu'il soit dans le deck. Mais le problème, c'est que passé l'extension suivante, on n'entendait plus parler de Toon. Alors qu'il y a certaines mécaniques qui ils ont commencé à l'instaurer à une extension. Et on a vu avec les extensions suivantes de plus en plus de cartes pouvant venir renforcer la mécanique. Voilà, bah je pense que Navi ils vont faire quelque chose comme ça, hein. Ça m'étonnerait pas, ils le font souvent. Bah, donc Donc encore une fois, c'est trop tôt pour le dire. D'ailleurs, la prof t'a dit avec Reno, bon au début on avait des decks Reno avec Reno Jackson, et après, notamment le prêtre s'est vu renforcer avec le Kazakus, le Raza, etc. etc. voilà. Ce qui rendait d'ailleurs un des decks les plus pétés de la méta pendant longtemps. Oui. Mais trêve de blabla, trêve de tergiversation, on commence tout de suite avec Toki, qui veut bien s'habiller. Ah, Toki, la trafiquant. Alors, Toki qui avait fait l'objet d'un prank. C'est-à-dire qu'ils avaient mis l'image, mais c'était pas le bon effet. Ils lui avaient foutu un effet complètement pété. Je crois qu'ils avaient déjà fait ça une fois avant. Ils avaient fait ça, je crois, avec c'était une carte voleur, me semble, à l'extension d'avant, mais l'effet était tellement abusif, j'ai envie de dire que les gens ont fait non, mais on a compris que c'était pas vrai en fait. Ah, par contre, celle-là a laissé un peu flotter le doute. Donc, du coup, Toki la trafiquant. Une 5-5 pour 6. Déjà, au niveau des stats, on peut dire quoi qu'elle est correcte. J'appelle ça un torrissant dans le métier. Un petit Orisan, et puis on va voir s'il a un effet aussi qui se coule. Donc, cri de guerre, ajoute un serviteur légendaire aléatoire du passé dans votre main. Bon, a priori, c'est très simple, à part un petit truc qui me turlupine, à savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire par du passé. Ça veut dire du wild. En fait, c'est si tu veux avoir une légendaire, mais du mode libre, pas du mode standard. D'accord, Donc donc une ça veut dire qu'il va te possible. donner dans ta main, il va te donner un Kel'Thuzad, un Sneed, un Docteur Boom. Voilà, c'est ce Bon, que je me disais aussi. Tu la c'est une joues bonne pour carte. Docteur GG. Le Docteur GG, c'est ça. Par Bon. contre, je ne sais pas si ça marche avec celle du Panthéon. Faudra vérifier. Ah, c'est vrai que le Parce que si Panthéon est une. ça donne une Sylvanas ou un Ragnaros, t'es plutôt content en fait. Ah, t'es surtout content de les revoir. Tu fais, ah, dis donc, tu m'as manqué, toi! C'est vrai que le Panthéon, c'est un monde encore plus à part que le Wild, quoi. Bah forcément, dans le Panthéon, t'as forcément des bonnes cartes. Ça, pour le coup, c'est sûr. Carte Mais overpower, forcément. bon, alors là, forcément, je cite que des bonnes cartes, mais je sais qu'il y a des cartes aussi en Wild qu'on aimerait voir disparaître. Je pense à Gazrilla, je crois, qui est en Wild. Il y a qui d'autre qu'on aimerait pas voir? Il y a... Gazrilla fait son succès en Wild? Non, j'ai dit dans les cartes qu'on ne veut pas. Ah, d'accord. Je pensais que tu avais dit la carte qu'on veut voir disparaître. Moi, je pensais que tu voulais voir disparaître parce qu'elle était trop abusée, justement. Non. Non, donc. Wild, les gens. Ouais, donc dans l'ensemble, plutôt bonne carte. Dans l'ensemble, plutôt bonne carte. Cette carte, elle a des qualités et des défauts. Donc déjà, sa qualité, c'est qu'effectivement, comme tu as dit, stats, ben, en fait, t'as une 5-5 pour 6 qui pioche, donc c'est équilibré. Ah, là-dessus, oui. Après, serviteur légendaire aléatoire du Wild, j'ai envie de dire qu'effectivement, il y a des bonnes cartes. C'est sûr que le jour où t'as Docteur Doom après ça, ta game, elle est quasi finie.
Mais le truc, c'est qu'il faut que je voie, parce que forcément, je me souviens que des bonnes cartes et pas des mauvaises. Si tu tombes sur... je cherche des cartes qui étaient pas bien à l'époque. Sur l'une des Valkyres là. Ouais, voilà, sur une, si tu tombes sur une Valkyre, si tu tombes sur Uaran, sur Phalange s'en va, il y a plein de cartes qui, en fait, on veut pas les voir aussi. Ça c'est vrai que je les ai un peu oubliées, mais... Je pense d'ailleurs qu'on veut les garder oubliés. Il y en a certaines, ouais. Genre Bolvar, si tu l'as, t'es pas content. Oh, ça c'est sûr. Une 1-7, c'est pas. Surtout Hein. que Une recette comme cette carte-là, le Toki, ça serait plus pourquoi? Pour un mage tempo contre. Enfin, un mage qui a tout intérêt à faire durer la game. ça? Bah normalement, quand tu veux une légendaire, la Ouais. majorité des légendaires, c'est des cartes chères. Donc dans un late mid-range ou dans un deck contrôle, c'est souvent dans ce type de deck-là. Et pareil, c'est vrai que Hearthstone est un jeu à synergie. Et c'est vrai que cette carte, en vrai, elle a pas beaucoup de synergie. Donc C'est sûr que dans un match contrôle qui a tout intérêt à piocher ses gros tons en fin de game pour la faire durer encore et encore, tu te retrouves avec une 1-7, t'es pas très content. voilà, par exemple. Voilà, donc du coup, à voir, bon après petite analyse, si parmi les légendaires du passé, il y a plus de bonnes que de mauvaises ou inversement, auquel cas, pas de Voilà. carte. Ça, après, c'est des stats. J'ai pas eu le temps trop de m'y consacrer. Mais faut voir les stats, en fait. Ça, faut tester la carte. Et faut voir les stats que ça te donne de bonnes cartes et de mauvaises cartes. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc c'est une carte à statistiques. Donc du coup Voilà. dans l'ensemble, plutôt bien sur le papier, mais à tester. Voilà, c'est ça. Donc du coup dans un match tempo, contrôle, mid-range, voilà. On continue avec le corbeau agaçant. 3-3 pour 4. Chaque fois que vous lancez un sort, invoque un serviteur aléatoire coûtant 2 cristaux. Alors déjà, Ah rien mais qu'au niveau des stats. bon, c'est pas bien. Je pense pas qu'on ait déjà vu une carte avec un coût et des stats semblables faire fureur en ladder. Bah s'il n'y a pas d'effet, ça devrait pas exister en fait. C'est sûr. Non, il y a toujours un effet quand il y a des mauvaises stats normalement. Et généralement, on s'attend à un effet plutôt cool. Le problème, c'est que parmi les serviteurs coûtant 2 de cristaux, il y en a bien un qui flingue tout ton board pour peu que t'aies pas trop de chance. La 0,7? Ouais, c'est sûr Lostis. qu'on n'est pas content, mais quand c'est la 0,7 qui tombe. Mais Après, il y en a d'autres à 2 cristaux, des biens? bah, des cartes à 2 cristal en vrai, pour un sort. Bon, après, moi j'imagine des trucs débiles, mais en mage, je la voyais dans une espèce de mage un peu aggro burn, un peu chelou, où ce qu'on jouerait, ce serait par exemple des pièces et des projectiles, enfin des pièces si t'es D2, bien évidemment, mais si tu joues projectiles des arcanes, tu joues la Frostbolt, enfin tout le monde joue la Frostbolt, j'ai Tout envie de plein de dire. petits sorts en fait. Voilà, dans un truc où avec des petits sorts ou juste des burns, déjà tu joues la glyphe par exemple, déjà, bah je me dis on pourrait faire une espèce de mage tempo, un peu comme il y avait à l'époque de l'Atisflamme, en moins fort, je l'admets, cette carte est moins forte que l'Atisflamme, Oui. mais on pourrait faire un espèce de deck mage aggro comme ça, où tu mets cette créature, tu mets quelques burns dedans, tu fais 2-3 T2, parce que soyons honnêtes, on fera pas plus que 2-3 T2 grand max, et même avec la pièce, avec cette carte. Avant qu'elle meure. Et puis tu prends assez sur le board avec les petits T2. Globalement, en T2, tu as des 2-2, tu as des 3-2, tu as des 2-3. Donc, Donc ça sera en fait le principe d'un deck un peu token, si on veut. pas aussi fort qu'un token, mais ça se rapprocherait un peu de ça. Voilà, Ce serait. on floue le board avec des petites créatures qu'on invoque, pas des petites créatures qui viennent de notre main. Voilà, ce serait plutôt ça, ouais, l'idée. Donc pourquoi pas, peut-être un jour, un mage tempo aggro token. Donc du coup, ouais, plutôt bonne carte. Oh, Sur le papier. pareil, je suis un peu mitigé là-dessus aussi, mais disons que c'est à tester aussi. Toute façon, on a rarement vu des. Enfin, on a vu beaucoup de streamers dire cette carte est pourrie, et puis au final, elle a inondé le ladder. Hashtag le déchiqueteur piloté. Non, la carte où tout le monde a dit que c'était nul et que c'est en fait c'était complètement craqué, c'était la quête Rogue. Oui aussi, parce que tout le monde s'est dit, ouais, comment tu veux faire 4 serviteurs du même coup, puis au final, pouf, 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 des 5-5, Ah, et vas-y, c'est plié. le problème de la Roquette, quand on l'avait jugée, c'est que quand on avait regardé les cartes qu'on avait à l'époque, on s'était dit, en gros, T1 on joue la quête, T2 Dague, et T3 on commence à faire des combos pour faire des choses. Et ça veut dire que le gars, en face, on lui laisse 3 tours, et que s'il est aggro, il nous tue au T5 parce qu'on n'a rien fait les 3 premiers tours pour le contester un minimum. Et c'est un peu vrai que dans l'idée, le Roquette, il perd contre tous les aggros. Mais ce qui s'est passé dans la réalité, c'est que n'importe qui prenait pas aggro et qui te laissait en fait les 3 tours pour te préparer, bah il bouffait la quête, il avait un board 5-5 au T6 et il mourait en fait. Donc
encore une fois, une carte qui, sur le papier, a l'air mitigée, mais ça se trouve connaîtra un franc succès. Voilà. Le corbeau agaçant. Et après le corbeau, le chat noir. 3-3 pour 3, donc déjà on se rapproche de stats plus correctes que le précédent. Déjà, non. Voyons si l'effet va renforcer ça. Donc déjà, dégâts des sorts plus 1, et on commence avec la nouvelle mécanique. Si votre deck ne contient que des cartes de coup impair, vous piochez. Ça serait un mini Drake Azur avec une condition en plus. Avec alors, dans des l'idée, sorts et on pioche. Je suis d'accord que s'ils avaient sorti ça sans la condition, tout le monde aurait fait mini Drake Azur, c'est abusé, on la joue partout. Maintenant, avec la condition carte impair, les gens ils sont là en mode « Ouais, est-ce qu'on pourrait pas jouer une 3-3 avec juste dégâts des sorts plus 1 ? Est-ce que ça serait pas jouable ?» La réponse est « Je pense que non. » Parce qu'on va être honnête, mage impair, Blizzard nous a dit « On a fait cette carte en impair parce qu'on avait l'impression que le mage impair est fort, mais spoiler, d'un mage qui n'a pas Frostbolt, Glyph et Boule de Feu, j'ai pas vu. » Parce que j'ai essayé, hein, honnêtement, j'avais essayé de me faire un deck à l'époque, un deck invoque au début de l'extension mage, ou avec portail des terres de feu et la pyro. Mais ce qui se passe, c'est que en mage, il n'y a pas assez de bonnes créatures, et les mieux, c'est les sorts, et c'est comme ce que j'ai dit, quoi, c'est éclair de givre et boule de feu et glyph, et c'est des cartes paires. Et ça, on peut pas faire un deck mage sans ces cartes-là, c'est pas possible. Après, est-ce qu'il serait possible pour un mage de jouer cette carte, mais en passant sur l'effet, quoi. Genre, l'effet, je m'en fiche, c'est quand même 3-3 pour 3 qui donne plus 1 des dégâts des sorts. Ça, j'avais déjà répondu intrinsèquement, c'est qu'en fait, il y a une carte, c'est une 3-2 pour 2, une carte Ktoon, qui donne plus 1 dégâts des sorts, et donne plus 1 au Ktoon si tu joues un sort. L'apothicaire du culte, ouais. Voilà. L'invocatrice. Je sais plus comment elle s'appelle. Celle qui dit « faisons un peu de magie ». Voilà. Et cette carte-là, elle était jouée que dans les decks Toon, qui était un peu fun, parce que le mage Toon était bien, mais sans plus. Et elle n'a pas été jouée pour un 3-2 plus 1 dégâts des sorts. Enfin, si, mais vraiment très très rarement. Donc cette carte ne sera pas jouée pour ça. À moins qu'il y ait un jour un deck dégâts des sorts, mais... Après, ça va être dans des jeux mages, j'ai beaucoup vu cette carte être utilisée, en fait, juste pour remplir, pour avoir une place, pour être dans la curve, pour le body aussi, pour le dégâts des sorts, c'est anecdotique, mais presque jamais pour son effet avec Toon. Voilà, c'est ça. Donc, le chat noir, je ne suis pas convaincu. Après, c'est vrai qu'on n'a jamais vu, à part avec Maligos, des mécaniques, des decks tournés autour du dégât des sorts. Ce que je trouve un peu dommage. Parce qu'il n'y a pas assez. En fait, pour qu'une mécanique comme ça fonctionne, il aurait fallu, tu vois, qu'il y ait des cartes comme projectiles, déflagration des arcanes. C'est un sort à 1, et ces dégâts, tu fais autant de dégâts que... Enfin, ouais, deux dégâts sur un serviteur. Voilà, il double par dégâts des sorts que t'as. Voilà, genre, par exemple, au lieu d'avoir dégâts des sorts, il fait 2 de dégâts de base. Si t'as dégâts des sorts plus 1, il va pas faire 3, mais il va faire 4, il double. Voilà. Bah, en gros, il aurait fallu, si pour vraiment qu'un deck comme ça existe, il aurait fallu faire plus de cartes de ce style-là, qui disent, ok, j'ai que plus 1 dégâts des sorts, mais mon sort, il te met pas 3, mais il te met 6, tu vois. Elle coûte un seul mana ? Déflagration, elle coûtait 1, ouais. Ah, parce que c'est vrai qu'une carte pour 1, qui en fonction des dégâts des sorts peut te clean presque n'importe quoi. Surtout que ça peut monter vite. Avec Maligos, t'aurais quoi ? Bah, avec Maligos, t'aurais un météore. Hein. t'aurais un truc complètement pété pour 1 mana, donc c'est cool. Bah, Blizzard, pour la prochaine extension, si jamais vous faites chier, faites-nous un truc autour des dégâts des sorts pour voir ce que ça fait. Si jamais vous faites chier, t'inquiète pas qu'ils ont de quoi faire. Bah j'espère, moi j'attends toujours d'être émerveillé par ce qu'ils proposent. Après au niveau des classes, après le mage, parce que là je pense qu'on a tout au niveau mage. Pour l'instant ils ont lancé que 3 cartes au niveau mage, donc pour moi c'est assez pauvre le mage.